au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, on vous parle de Mario Lafortune, un Québécois responsable du développement technologique chez Nike. On rend hommage à Éric Laporte, un professionnel québécois qui s'est distingué l'année dernière à l'échelle nationale. Et on vous parle de Fred Colgan et de Fred Théberge, deux entraîneurs qui font la pluie et le beau temps au Québec. Tout ça avec en plus nos chroniques habituelles. Alors, bienvenue au 19e! Deux entraîneurs ont fait honneur au golf québécois en 2012. Fred Colgan a été élu entraîneur de l'année au Canada dans les rangs collégiaux, alors que Frédéric Théberge a été choisi meilleur entraîneur universitaire au Québec, toutes disciplines confondues. Bien, deux réactions. La première, super content, mais également très surpris. Pourquoi surpris? Ça fait un peu cliché, mais je ne m'en attendais pas du tout. Je pense qu'enfin, comme mon patron me disait, mon directeur, le golf est maintenant sur la map, sur la carte. Alors ça fait plaisir énormément. Franchement, c'est pas le genre de choses qu'on s'attend. Lorsqu'elles arrivent, c'est le fun. Je pense qu'on coach parce qu'on aime le coaching, considérant la description de tâche de qu'est-ce qu'un entraîneur, de conduire l'autobus, à s'occuper des réservations d'hôtel, à donner des tips techniques, à planifier, à faire un paquet de choses. Mais c'est vraiment le fun d'être reconnu par ses pairs. Les deux Fred, comme on les appelle dans le milieu, travaillent dans la région de Québec. Cette année, Théberge sera le professionnel du club à Cap-Rouge, après avoir passé 13 ans à la tête du programme du Rouge et Or de l'Université Laval, qui l'a conduit au titre de champion national en 2010 et en 2012. Il y a 13 ans, justement, quand on a commencé le Rouge et Or, il y avait 5 ou 6 universités canadiennes qui avaient du golf. Et puis maintenant, il y a 20 qui participent au championnat canadien et plus qui veulent se qualifier, évidemment. Et donc, c'est vraiment un grand, grand succès de participation et de calibre également. De plus en plus de golfeurs sur l'équipe nationale qui restent au Canada. Ça fait un meilleur calibre. Au Québec, ça va très bien. 12 équipes québécoises qui sont dans le circuit universitaire. Alors, c'est excellent. Quant à Colgan, il possède sa propre académie de golf depuis 20 ans. Actuellement, on est 4 entraîneurs à temps complet. Puis on a 4 professionnels, préparation psychologique avec Pierre Beauchamp, préparation stratégique avec Michel Genois et préparation physique avec Joël Couture. Plus, comme je vous disais, mes 4 entraîneurs de golf. Donc, on est environ 8 qui se promènent autour de nos 120 jeunes qu'on entraîne. Colgan est l'entraîneur-chef des équipes de golf du Collège Champlain-Saint-Laurent, dont une des membres, Valérie Tanguay, a décroché le titre canadien. Premièrement, les filles sont prêtes à fournir les efforts demandés par l'entraîneur pour s'améliorer. Alors que chez les garçons de l'âge de 15 ans à 19 ans, des fois jusqu'à 21 ans, c'est « j'ai entendu dire, Tommy Tuglob a fait telle chose, je vais faire comme lui ». Fait que les garçons sont un petit peu toujours contre des apprentissages que j'appelle plus traditionnels. Actuellement, vous savez qu'on a 2 filles avec une carte dans leur poche, mais je ne serais pas surpris que dans 5 ans, qu'on ait 5 filles. Parce qu'on a une Catherine Tanguay qui s'en vient bien, il y a José Doyon qui pousse en arrière, puis il y a Valérie Tanguay qui vient d'être nommée sur l'équipe nationale. Deux choses. Première des choses, je pense que ça prendrait des installations qui sont conçues, pensées, construites peut-être pour le développement du jeune qui commence jusqu'à l'élite, jusqu'au haut niveau, que ça peut être accessible à monsieur, madame, tout le monde, mais vraiment pensé pour ça et accessible pour ces jeunes-là. Et deuxième des choses, je vais plutôt dire, moi j'accepterais bien un mandat avec Fred, parce que j'aime beaucoup travailler avec, de la Fédération de Golf Québec, peut-être avec l'AGP aussi, pour remodeler, restructurer ou changer les choses au niveau du développement des joueurs. Et là, du développement des joueurs juniors, mais jeunes professionnels également, jusque-là. Alors je pense que ça serait un beau défi que j'aimerais faire encore. Daniel Caza pour au 19e. Voici notre question quiz cette semaine. C'est sans aucun doute le terrain le plus connu au monde, ou en tout cas, c'est le trou le plus populaire au monde. Je parle du fameux 17e au TPC at Sawgrass, là où est disputé le championnat des joueurs. C'est probablement l'une des épreuves les plus populaires de la saison. Tous les joueurs vedettes s'y rassemblent. Voici notre question. Combien de fois Tiger Woods a-t-il remporté le championnat des joueurs? Voici nos choix de réponses.
A, une fois. B, deux fois. C, trois fois. La réponse, au retour de la pause. Je répète à nouveau la question. Combien de fois Tiger Woods a-t-il remporté le championnat des joueurs? La réponse, une seule fois. Il a dominé le parcours TPC à Sawgrass en 2001. Il avait terminé en deuxième position en l'an 2000. Historiquement, il n'a pas été très confortable sur ce parcours. L'an passé, il a terminé à égalité en 40e position après avoir déclaré forfait en 2010 et en 2011. Mario Lafortune, d'abord, bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation d'au 19e. Bonjour, Daniel. Maintenant, est-ce qu'on peut expliquer un peu quelles sont tes fonctions au sein de la compagnie Nike? Maintenant, je suis directeur de l'innovation au niveau golf. Donc, c'est l'innovation pour bâtons, chaussures, vêtements et équipements. Actuellement, quelle est la tendance au niveau de l'équipement, au niveau des vêtements, au niveau de tout ce qui touche l'athlète, au niveau des chaussures aussi? Est-ce que c'est vraiment la stabilité? C'est quoi au juste? Non, en fait, ce que l'on essaie de faire, c'est d'écouter les athlètes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Nike est très fort, c'est qu'on est toujours en contact avec les athlètes. Et on leur parle, et c'est eux qui nous font partie de leurs besoins. Si on parle de la chaussure, entre autres, Tiger Woods, c'est lui qui nous a dit, écoutez, moi, je m'entraîne avec une chaussure, entraînement, course à pied, mon gymnase, et je suis vraiment confortable dans cette chaussure-là. Il nous a, en fait, lancé un défi. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez prendre une chaussure comme ça, puis quand même en faire une chaussure de golf en gardant les propriétés? Et donc, c'est en écoutant l'athlète, les besoins, nous, on suit ce que l'athlète demande. Et maintenant, si on regarde, je sais qu'il y a une question qui brûle les lèvres des amateurs de golf à Montréal. Comment on devient directeur de l'innovation chez Nike à partir de Saint-Roch-de-Lachigan, d'où vous venez? Oui, c'est peut-être, c'est la chance, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes, d'être là au bon moment, c'est de faire, vraiment, j'ai toujours adoré le sport, j'étais pas tellement bon sportif. Puis marier le sport aux sciences. Et c'est la direction que j'ai prise. Et bon, j'ai étudié dans un premier temps à Ottawa. Je suis allé aux États-Unis et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment pointé dans la bonne direction, qui avaient un petit peu les mêmes passions que moi, sport et sciences. Et à partir de là, on a fait des choses qui étaient très innovatrices au niveau de la recherche. Et ça a créé un nouveau focus de recherche où vraiment c'était d'apporter les sciences au niveau de l'équipement sportif. Dans un premier temps, la chaussure. Et c'est de là que je me suis rendu chez Nike à cause des travaux que j'avais fait sur la chaussure. Et maintenant, bon, c'est de prendre ce que j'ai appris au niveau du laboratoire. Le laboratoire, on touchait à tout, mais c'était la recherche simplement. Alors que mon nouveau poste, c'est partir des idées, les concepts, formation de prototypes, évaluation des prototypes, amélioration des prototypes. Et tout se fait toujours en rapport très près avec l'athlète. Et on lui demande du feedback, toujours pour améliorer le produit. Et j'ai été chanceux. Les gens avec qui je travaille, ce sont des gens super compétents. Et le contact avec les athlètes, donc c'est un peu quoi l'emploi de rêve pour moi. En terminant, qu'est-ce que va être la voie de l'avenir? L'innovation, les recherches, le développement, on se dirige vers quoi au cours des prochaines années? Je crois que ça va être beaucoup de plutôt que d'avoir un produit pour monsieur tout le monde, ça va être un produit qui va être de plus en plus adapté à l'athlète. Et aussi, chez Nike, il y a la question du monde digital. On a déjà des chaussures digitales pour la course à pied. On a le bracelet. Donc, il y a vraiment, chez Nike, on sent que la population n'est peut-être pas aussi active. Donc, il y aura des efforts à amener les gens à être actifs et leur donner des outils qui leur permettront vraiment de les encourager à être actifs. Mario Lafortune, merci beaucoup pour votre visite, en fait, pour avoir accepté notre invitation, puis bonne chance dans les années à venir. Merci beaucoup, Daniel, et à la prochaine. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Cette semaine, on s'attarde sur les fers qui sont faciles à frapper. On parle indulgence, on parle distance.
Pierre, c'est quoi la grosse nouveauté cette année? Bien, la grande nouveauté nous vient de chez TaylorMade, alors qu'ils ont utilisé la même idée que pour leur bois d'allée Rocket Balls. On a fabriqué une poche de vitesse sous la semelle des Fire Rocket Blades, Fire 3, Fire 7, pour maximiser l'effet trampoline de la face et aussi produire une trajectoire de balle plus lourde. Plus de distance, là, on en a besoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à créer un fer axé sur la distance, mais qui conserve tout de même des lignes classiques. Et notre prochain invité aussi s'est beaucoup amélioré par rapport à ses prédécesseurs. Effectivement, rien à voir avec les anciens fers Nike. Le nouveau VRS Covert a des lignes très agressives de ce qu'on dépose au sol, mais c'est en dessous que ça se passe, avec une semelle bien arrondie, une épaisseur de seulement 1,6 mm. On a enlevé tout ce qu'on pouvait en termes de poids derrière la face pour le redistribuer en périphérie pour avoir une meilleure stabilité. Ça, ça signifie, Pierre, que même si je ne la ferai pas tout à fait tout le temps au centre de la face, je limite quand même les dommages. Exact. Super. Maintenant, du côté de Callaway, on s'est adapté au commun des mortels avec le nouveau X-Hot. Oui, ils ont dessiné une face excessivement mince. Ils ont pris la partie la plus flexible de la face, c'est-à-dire le sweet spot en anglais, pour le descendre et le placer où la grande majorité des gens frappent la balle, c'est-à-dire dans le premier tiers de la face. Donc, technologiquement, c'est une autre façon de nous faciliter la vie. Oui. Donc, parlant de facile, prochain invité ici. Chez Cobra, on a la Maxime Golf Made Easy et le Cobra Baffler est un bon exemple. Ce bâton a tout pour nous aider à soulever la balle. Une semelle large, un système de rail, une tête longue et on a littéralement enlevé le haut de la face dans les fers moyens et les fers longs pour redistribuer le poids en périphérie et au bas. Donc, une autre façon d'abaisser le centre de gravité et de nous aider à soulever la balle. Exact. Et en plus, c'est un fer peut-être un peu moins classique, mais très performant. Pierre, merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, on continue chez les fers pour les joueurs intermédiaires et avancés. À la semaine prochaine, tout le monde. L'anecdote de la semaine, une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Pourquoi les parcours de golf comptent-ils 18 trous? Mais encore une fois, ce sont les Écossais qui nous fournissent la réponse. Au parcours de Leith, non loin d'Édimbourg, d'ailleurs l'endroit où a été disputée officiellement la première ronde de golf en 1744, le parcours comptait 5 trous. On en a ensuite ajouté 2 autres. Le parcours de Musselburgh en avait 9, puis le tracé de Montrose en a même eu jusqu'à 25. Le vénérable parcours de St. Andrews, quant à lui, en comptait 12. Le tracé linéaire se jouait à l'aller et au retour. On jouait le premier et dernier trou une fois, mais les trous de 2 à 11 étaient joués à 2 occasions pour un total de 22 trous. En 1764, on a décidé d'utiliser l'espace des 4 premiers trous pour en faire 2. Tout en jouant que le premier et le dernier trou une seule fois, on a continué à jouer les trous de 2 à 8, 2 fois. En 1857, 18 trous bien distincts ont été aménagés à St. Andrews. La notoriété du club a fait le reste et c'est depuis ce temps qu'on joue un petit 18. Une autre explication plus exotique, celle-là, voudrait qu'une ronde de golf soit comptabilisée quant au nombre de gorgées de scotch que prenaient les fondateurs du golf. 18 trous, 18 gorgées. C'est avec le trophée Mike Weir et le titre de joueur de l'année au Canada en 2012 qu'Éric Laporte entreprendra sa 14e saison professionnelle au sein de l'AGP. Nous l'avons rencontré lorsqu'il a reçu cet honneur à Orlando au mois de janvier dernier. Éric, d'abord, qu'est-ce qui t'a valu le trophée Mike Weir à titre de joueur par excellence au Canada? C'est sûrement la constance de mon jeu. Tout au long de l'année sur le circuit canadien et GF Canada, on ramasse des points dans différents tournois. Et le fait que mon jeu a été une certaine régularité, j'ai ramassé plus de points que mes adversaires, qui fait qu'à la fin de l'année, j'ai été élu joueur de l'année au circuit PGA of Canada. Mais avant ça, au mois de juin, j'ai gagné le PGA Championship of Canada. C'était le plus gros tournoi canadien. Au début de l'année, quand j'ai gagné ça, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que quand j'ai gagné à Calgary, j'ai battu des vrais joueurs de golf, des gars qui jouent au golf à un haut niveau. J'arrive là, je gagne le tournoi. Je m'en reviens chez moi. Je réalisais pas à quel point ça avait un impact pour les golfeurs de ma région, pour les golfeurs que je rencontrais. Tout l'été, ils m'ont félicité et ils ont été fiers de moi. J'ai filé un peu tout au long de l'année avec le syndrome de l'imposteur parce que je me sentais que des fois, je suis pas à ma place de gagner ces choses-là. Là. En 2013 et 2014, c'est deux grosses années pour moi parce que le système de points canadien, c'est un système annuel, je pourrais dire ça comme ça. Tu ramasses des points pendant 3 ans. À la 4e année, il faut que tu battes tes points de la première année. Ce qui fait en sorte, présentement, je suis 10e au Canada.
tous les joueurs qui sont premiers au Canada sont invités au Canadian Open. Ce qui fait en sorte qu'il me reste deux belles années pour ramasser des points et pour être invité au Canadian Open, qui serait... Et le Canadian Open qui, en 2014, va avoir lieu à Royal Montréal. Oui, à Royal Montréal. Donc, ça serait un rêve d'enfance de jouer un événement du PGA Tour avec l'élite mondiale. En plus, au Royal Montréal, dans notre cour. En terminant, quels sont tes objectifs précisément pour la prochaine saison? La prochaine saison, c'est sûrement encore, écoute, la régularité de mon jeu, la constance de mon jeu. Mais même au-delà du jeu, partager ma passion pour le golf, le fait que mon jeu soit à un certain niveau, les gens aiment venir me voir. Mais si je peux partager cette passion-là aux gens, je vais avoir réussi à quelque part à faire aimer le golf et à faire progresser le golf. Éric Laporte, félicitations. Puis je pense que c'est tout un honneur pour le Club de golf Montcalm. Merci beaucoup. Bien, je pense que comme société, on a des choix à faire. Puis si je regarde juste au niveau de nos fédérations, je pense que le gouvernement vient en aide à 40 sports différents. Fait que c'est le fun parce qu'on vient en aide à tout le monde, mais on vient en aide à tout le monde à moitié. Là. Alors que certains pays comme l'Australie, la Suède ont vraiment ciblé un certain nombre de sports qui allaient venir en aide. Donc au Québec, est-ce qu'on aimerait que le gouvernement vienne en aide aux clubs de golf? La réponse est sûrement oui. Est-ce qu'on a les moyens de se le permettre? La réponse est probablement non. Là. Présentement, l'industrie du golf, il faut prendre conscience que sur le plan touristique et sur le plan de l'économie, il y a de très bonnes retombées. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait aider? Oui, ça serait certainement bienvenu présentement, oui. Je vais te donner une opinion personnelle et non professionnelle. Je te dirais que non, pour la simple bonne raison que les terrains de golf, dans la plupart des cas, c'est des entreprises à but lucratif. Alors, je ne verrais pas pourquoi le gouvernement s'impliquerait dans des causes comme ça. Si tu me demandais la même question par rapport à aider la jeunesse ou d'autres choses comme ça, d'autres mouvements du golf, ma réponse serait différente. Mais pour les clubs de golf comme tel, je ne penserais pas non. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Ping. Alors, on se retrouve ici sur une normale 5 de 508 verges. Lorsque vous jouez vos normales 5, êtes-vous du type attaque ou positionnement? Êtes-vous stratégique lorsque vous jouez au golf? Une bonne stratégie pourrait vous rapporter gros. La chose à considérer lorsqu'on arrive sur une normale 5, c'est la distance du trou. La distance, souvent, va vous dicter le choix du bâton à prendre. Si vous êtes en contrôle avec votre bois numéro 1 et que vous pensez pouvoir avoir une chance d'atteindre le verre en 2, allez-y avec votre bois numéro 1. Sinon, un bois d'allée, c'est l'outil de prédilection pour se placer pour le deuxième et le troisième coup et ensuite de ça, avoir un meilleur résultat. Maintenant, si on prend le trou qui nous concerne, on peut voir sur cette normale 5 de l'eau qui longe l'allée tout le long à gauche du trou. L'idéal, si on peut voir la zone B, ce serait de frapper un bois d'allée pour la plupart des amateurs. Et pour ceux qui veulent attaquer le verre en deux, ce serait un coup de départ avec notre bois numéro 1 qui se retrouverait dans la zone A, donc droit de l'allée, pour leur permettre ensuite d'attaquer le verre en deux. Alors, on se retrouve ici dans l'allée pour mon deuxième coup. Étant donné que je n'ai pas réussi mon coup de départ à merveille, je me retrouve dans la zone B. Donc, il me reste présentement 276 verges pour atteindre le verre. Pour moi, la situation idéale pour me garder un bon troisième coup, c'est de me retrouver à 100 verges. Donc, en plus, le trou s'y prête très bien parce que la zone la plus large pour atterrir est là où se situe le 100 verges. Donc, je vais prendre mon fer 6, il me reste 176 verges, pour me garder un bon troisième coup complet pour atteindre le verre en 3. Alors, on se retrouve ici à notre troisième coup, dans la zone que je considère la zone payante. Je vous explique, il me reste 100 verges, j'ai réussi mon deuxième coup à merveille. Et avec le drapeau qui se situe derrière la fosse de sable, qui est en avant du verre, je vais avoir besoin d'hauteur pour que ma balle arrive sur le verre et reste sur le verre. La pire chose à faire, c'est de vous garder un coup à 50 ou à 40 verges, où là, vous n'avez pas besoin d'un élan complet. Ça cause beaucoup de problèmes à bien des gens. Donc, 100 verges, élan complet, c'est sûr que je vais avoir du succès. Thank you.
Ceux qui l'ont joué savent que le parcours du club de golf Montebello est exigeant. Ses allées serpentent la forêt et ses dénivellations spectaculaires ont impressionné les golfeurs du monde entier. Nous y jetons un coup d'œil en compagnie du professionnel en titre, Sylvain Courcel. Le club de golf Montebello a été dessiné en 1929 par Stanley Thompson et le parcours a pris naissance en 1931, donc le parcours ouvert en 1931. Stanley Thompson, qui est un architecte qui est reconnu à travers le Canada pour des terrains comme Banff, Capilano, même ici au Québec, il a fait Beaconsfield. Donc la marque de commerce de Stanley Thompson, c'est toujours d'avoir des départs surélevés par rapport au fairway puis au vert. Le public peut venir à tous les jours. On a des membres aussi, on offre le service de membership, mais le terrain est ouvert au grand public. Le parcours est assez ondulé, donc c'est un terrain quand même qui est en montagne. Donc les allées et les verts sont très ondulés, donc on n'a jamais les pieds à plat comme certains des terrains, donc ce qui accroît au niveau de la difficulté du terrain. Le trou numéro 6, qui est un trou signature pour nous, c'est une normale 3 d'environ 175 verges. Encore là, avec un départ très élevé, donc avec un superbe immense vert et deux fosses de sable qui attendent les golfeurs en bas. On a un terrain d'exercice que les gens peuvent pratiquer avant leur ronde. On offre aussi des cours de golf, donc il y a moi et deux de mes collègues qui offrent les cours de golf. On offre aussi le service de location de bâtons. Beaucoup de gens qui viennent nous voir puis viennent au château à cause de la renommée des terrains de golf de Stanley Thompson et aussi pour l'ambiance exceptionnelle, la nourriture et le service 5 étoiles d'une chaîne comme Fairmont. Si ce qui précède n'a pas réussi à vous convaincre totalement, sachez qu'en 1998, le club de golf Montebello a été sélectionné au deuxième rang des meilleurs parcours du Québec. Et récemment, le Canada's Golf Ranking Magazine lui a attribué son prix double platine. Ai-je besoin d'en rajouter? Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, au 19e, des invités de marque. Un des hommes les plus influents sur la scène du golf, le président de TaylorMade, Mark King. Également avec nous, la joueuse de l'année en 2012 sur le circuit de la LPGA, Stacey Lewis. Et l'honorable gaucher canadien, Mike Weir. À ne pas manquer, au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.